17e avec un point d'avance sur le barragiste Valenciennes, reçoit Grenoble 9e. Les Valenciennois ont stoppé l'hémorragie de 3 défaites consécutives lors de la dernière journée après un nul 0-0 ramené du Havre. Un bon résultat pour Christophe Delmotte, fraîchement promu sur le banc de l'équipe première après le limogeage d'Olivier Guégan. Première intervention de la partie pour Brice Maubleu, avec des Grenoblois qui de leur côté ont enfin enchaîné 2 victoires consécutives à Caen et face à Dunkerque, à chaque fois sur le score de 1-0. Mais les joueurs de Mauricio Giacobacci vont être menés dès la 21e minute de jeu. Baptiste Guillaume, le Belge, marque son 3e but de la saison. La passe décisive est signée Mathieu Debuchy qui lève la tête, prend l'information et sert idéalement Baptiste Guillaume. 1-0 pour VA et c'est plutôt mérité vu l'entame de match des nordistes. Grenoble qui restait sur 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs se voit déjà mené et concède bon nombre d'occasions. 32e minute, la sortie en dehors de sa surface de réparation de Brice Maubleu et qui touche le ballon du bras et est exclu par Monsieur Angoula. Les affaires étaient déjà compliquées pour le GF38, ça va l'être d'autant plus en infériorité numérique durant plus d'une heure. La sortie de Florian Michel et l'entrée du gardien numéro 2 Esteban Sales. 1-0 à la pause pour Valenciennes. Les Valenciennois se sont inclinés 5 fois sur les 6 derniers matchs au Hainaut, mais pour l'instant cela se passe plutôt bien pour Christophe Delmotte et les siens qui vont essayer de marquer ce deuxième but avec une tête appuyée de Geoffrey Cuffaut. C'est dans les gants d'Esteban Sales. Grenoble qui subit, qui est en difficulté. Nouvelle opportunité pour les nordistes avec cette frappe déviée. Ça a été freiné et Esteban Sales peut intervenir encore une fois. Par la suite, Mauricio Giacobacci va effectuer 3 changements pour arracher le nul avec les entrées d'Enen, de Benmont et d'Anani. Il s'était mis dans une bonne disposition, Guillaume. Grenoble avec les nouveaux entrants essaye de se montrer dangereux, mais c'est insuffisant pour tromper la vigilance de Lucas Chevalier. Après 4 matchs sans victoire, Valenciennes s'impose 1-0 et passe de la 17e à la 12e place. Pas de 3e succès de rang pour Grenoble qui reste en milieu de tableau.